Bon lundi, tout le monde! Es-tu de ceux qui disent ah, pas lundi? Tu t'es-tu déjà posé la question? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi t'aimes pas le lundi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que tu es en train de faire ce que t'aimes pas? Est-ce que tes contraintes d'horaire font en sorte que tu es toujours coincé dans le temps puis c'est ce qui te fait détester les lundis? Qu'est-ce que c'est au juste? T'es-tu déjà vraiment posé la question? En tout cas, pour moi, le lundi, le mardi, le samedi, le dimanche, pour moi, c'est tous des jours pareils. Parce que je travaille à mon compte et pour moi, quand j'ai pris la décision de faire le virage salarié-entrepreneur, c'était une question de pourquoi je veux ce que je veux. Puis finalement, c'est toujours ça. Pourquoi tu veux ce que tu veux? Si tu n'es pas capable de répondre à cette question-là, fais pas le changement. Parce que quand on fait un changement, on ne sait pas pourquoi le changement, il se fait pas. Tu retournes dans tes vieilles bottines. Parce que tu n'as pas réfléchi au pourquoi de l'affaire. C'est pas assez solide, là. Tu sais, c'est une idée de même qui arrive, puis go, fais pas ça. Mais si tu t'observes, là, cette semaine, là, puis tu réfléchis à combien de lundis tu as dit pas lundi. Ou bien donc, à combien de vendredis tu as dit yes. Pourquoi? Je te laisse réfléchir sur cette question-là ce matin parce qu'on est lundi. Mais moi, lundi, ça fait you. Le mardi, ça fait you. Le mercredi, ça fait you. Le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, ça fait you. Si t'as envie de ça, là, ben attends 2-3 semaines, je lance mes nouveaux programmes, puis on va regarder ça ensemble si ça te tente. Alors là-dessus, je te souhaite un super lundi. Salut!